Notre focus aujourd'hui sur le manque de compétences dans le cloud. Oui, ne souriez pas, c'est très très sérieux aujourd'hui. Le cloud ne résout pas tout dans les entreprises. On l'a vu dans du côté technologique, infrastructure, mais aussi dans les compétences. Il faut de vrai revoir complètement. Il y a des profils qui devraient être à la fois techniques, juridiques, financiers. Et il faut connaître les services aussi. Il y a de l'intégration de services. Connaître les métiers, si on est dans la banque, si on est dans le métier de l'environnement. Et on en reparle avec nos invités. Emmanuel Olivier Paul, directrice associée chez Marques, Arnaud Alcabès, directeur technique et stratégie groupe de ABC Systèmes, et Jean-Christophe Lessy, DSI de Veolia. Jean-Christophe, on parlait juste avant la pause du besoin de formation des entreprises. Vous l'avez senti, enfin, c'est combien de personnes la DSI de Veolia ? La DSI de Veolia aujourd'hui, c'est à peu près 4000 personnes. Donc il y a 4000 personnes réparties dans 50 pays, 4000 personnes, donc il faut apporter cette nouvelle culture, mais en plus il y a toute l'entreprise à suivre derrière, hein. Il faut amener tout le monde, effectivement, c'est ça, pas juste les quelques geeks et les quelques experts du cloud qu'on a, mais il faut amener tout le monde à ce niveau là hein. Je rappelle que nous, notre stratégie, c'est de fermer nos data centers, donc on fait vraiment une bascule complète dans le cloud d'ici à 2020. Donc c'est un vrai changement de paradigme, et donc il faut qu'on arrive à emmener tout le monde dans cette stratégie. Ça veut dire que vous avez enclenché des cycles de formation, mais j'irais dire, c'est pas forcément des cycles de formation technique, hein, il y a une vraie... faut se transformer aussi la culture, l'état d'esprit. Bien sûr, on a formé effectivement plusieurs centaines de personnes, à la fois dans la fonction IT et dans les métiers. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont été formées dans les métiers pour accompagner, pour comprendre ce que c'était que le cloud. Parce que aujourd'hui, effectivement, on ne conçoit pas les outils et les services IT comme on les concevait hier. Aujourd'hui, à partir du moment où on a une puissance informatique disponible, il faut que les métiers comprennent ce qu'il est possible de faire avec cette technologie, où est-ce que ça peut les emmener, et qu'ils n'aient plus peur, en fait, de se tromper, puisque se tromper coûte quand même moins cher qu'avant, à la fois en opération et en temps. Il faut juste établir quelques process, quelques méthodologies pour savoir quand est-ce qu'on fait demi-tour ou quand est-ce qu'on pivote un peu. Une pénurie de compétences aujourd'hui, vous le rencontrez, vous, chez... Nous, on est clairement au cœur d'une vraie guerre des talents sur le cloud. Nous, ce qu'on essaye de faire, donc en plus des formations, on essaye d'être de plus en plus attractif. C'est-à-dire communiquer sur notre stratégie, attirer les talents les rares talents qui sont sur le marché premier aujourd'hui. Premier opérateur d'objets connectés hein, en France. Premier opérateur d'objets connectés. On gère 3 millions d'objets connectés en France et plus de 7 millions dans le monde. Donc on a effectivement, là-dessus aussi, on est très attractif. On a un énorme réservoir de données à exploiter encore, qui n'est pas suffisamment exploité. Et donc ça intéresse beaucoup les nouveaux talents du cloud. C'est la qualité des projets, en fait, ce qu'ils cherchent. C'est si on leur donne un projet qui sont vraiment en relation directe avec le métier, qu'ils ont un terrain de jeu qui est un réservoir de data énorme parmi les plus gros du monde... C'est sûr que c'est quand même plus facile de recruter. Maintenant, il faut le faire savoir. C'est la difficulté.